Merci beaucoup, Captivi, pour cette opportunité que vous m'offrez pour m'adresser à la population de la commune de Kafountine et à tous les spectateurs et spectatrices de Caf FM qui nous suivent et aux populations de Kafountine de la diaspora. Pour formuler, présenter mes voeux de bonnes et heureuses années 2023. Me consacrer à la tradition à chaque fois que le bon Dieu nous prête longue vie et que nous et qui nous permet de franchir une année à une autre. Et pour cela également, mes pensées vont à l'endroit des frères et sœurs qui nous ont quittés en cette année 2022. Prier pour le repos de leur âme et que le bon Dieu qui les a rappelés puisse les accorder le pardon dont ils ont besoin et les accueillir dans son paradis céleste. Voilà, donc mes voeux de nouvel an, de meilleurs voeux de nouvel an à l'endroit de toutes les populations de la commune de Kafountine et aux Sénégalais de façon générale et aux étrangers qui ont vraiment choisi Kafountine pour passer le nouvel an. Je souhaite à chacune et à chacun de nous le meilleur. Que l'année 2023 soit vraiment une année particulière en grâce, en prospérité et qu'elle soit également une année de paix, une année de paix des cœurs, une année de paix dans nos familles, une année de paix dans la commune, une année de paix dans notre pays, le Sénégal. Et une année de paix à travers le monde entier. Voilà, donc ce sont ces mots que j'ai souhaité vraiment placer à l'endroit de l'ensemble des auditrices et auditeurs de Captivi qui nous écoutent ici à Kafountine et partout ailleurs dans la diaspora. Donc ma ngi len di gëreum di len sante yeen wa Captivi ci occasion bi ngeen ma may ma jakarlo ak population commune Kafountine yépp ak ñi nekk fi ci Kafountine ak ñi nekk bitim rew ak bép auditeur et téléspectateur et spectatrice bu internaute bu ñuy sétane mo xam bitim rew nga nekk mo xam fi nga nekk ndax ma souhaité len bonne et heureuse année 2023 ñukoy santé suñu borom suñu xel dem aussi ci suñu mbokk ñi nga xamné yalla mom na len ci at bi ñu len di ñaanal yalla bal len bép ci buñu soxla yalla bal len ko ba tab len ci aljana yu gëna kawé pour 2023 bi et ñi nga xamné yalla may na len bobu grâce ñu féké ko ma ngi len di ñaanal atum jamm ci xol yi jamm ci kër yi jamm ci suñu commune bi jamm ci Sénégal ak jamm ci aduna bi yep may ñaanal aussi natangé kenn ku nek atum 2023 bi don atum bo xamné at bu koy marqué la ci walu natangé ak ci projet yi yalla soti lolu ñepp ñi nga xamné tamit yalla dafa dañu am galankor mo xam febar bu muntu don yalla feug len ba febar yoyu
vraiment ci atum 2023 bi yalla may len wat wër gu yaram di ñaan nak prospérité suñu commune bi enjeu yi bari na défi yi bari na mais may souhaiter que vraiment enjeu yi nga xamné muy enjeu de développement ba ñu bolé xol yi tap xol yi bo suñu xar kanam kafuntine bi sopé ko bu baaxa baax donc vraiment ma len di gërëm encore une fois yeen wa Kaf TV ci occasion bi ngeen ma may tay ma jakarlo ak population kafuntine ñi nek fi ci biir kafuntine ak ñi nek ci bitim rew Sénégal ak ci aduna bi yépp té nga xamné dañuy sétane sa su nek Kaf TV donc ma len di ñaanal tamit seul liggéey gëna jëm kanam si liggéey bi ngeen nek ni liggéey professionnel bi vraiment yalla may len katan bi ba liggéey bi gëna muccu ay ba li ngeen di sentu mu wessu sen jot ma ngi len di gërëm di len sante. Merci.